Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en compagnie de Jean-François. Bonjour les amis. Alors, ce n'est toujours pas ma petite sœur, mais en tous les cas, si je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à elle, même beaucoup, car elle m'a offert, enfin, elle nous a offert une pochette de tickets à gratter. Donc, bien sûr, ce sont des jeux interdits aux moins de 18 ans. Voilà, je suis obligée de le dire pendant la vidéo, donc je le dis dès le début. Elle m'a dit qu'il y avait des jeux identiques, donc c'est à moi et à Jean-François de les gratter tous les deux. Donc c'est une pochette qu'elle nous a offert à tous les deux. Il y a pour 20 euros de jeux. On les a pas encore découverts, on s'est pas spoilé, donc c'est parti. Donc là je vais ouvrir la pochette et les découvrir. Je trouve que les pochettes sont plutôt sympas. Bon, elle a rien coché et tout. Je te souhaite une année pleine d'amour, créative, sensationnelle, chanceuse, pétillante, excitante. Et elle pouvait rajouter des choses et tout. Bon, elle n'a pas joué le jeu, mais c'est pas grave. Meilleur vœu, ok. Allez, c'est parti. Même à l'intérieur, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, je la trouve super jolie. Donc, on aura un solitaire chacun. Je vais laisser Jean-François choisir au fur et à mesure. Vas-y, choisis le tien. Ma date de naissance. Ah, il y a ta date de naissance, oui, le 29. Donc moi c'est le numéro 26, écoutez, moi je prends celui qui reste. Ensuite on a 24 jours en or. On essaiera de voir les règles du jeu parce que celui-ci je le connais pas beaucoup. Donc vas-y, je te laisse choisir. C'est presque mon âge, mais bref. Et le jackpot. Donc on aura 3 jeux chacun. Un jeu à 5, un jeu à 3 et un jeu à 2 euros. Bon, et mon chou. Allez, on va faire ça sous forme de challenge. Donc c'est Jean-François qui va commencer. Voilà, on l'avait décidé avant la vidéo. Il va gratter ses trois jeux. Et ensuite, écoutez, ce sera mon tour. Mais avant qu'il gratte ses jeux, on va regarder celui-ci car c'est un des nouveaux jeux de cette année. Enfin, de cette fin d'année. Donc en fait, on doit tout simplement gratter les 24 cases. Et si dans une des 24 cases, on retrouve un des dessins, on gagne la somme qui est associée et on peut cumuler les sommes, tout simplement. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, je lui tiens le jeu, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Donc, il commence par le jeu à 5 euros, donc le jackpot. Moi, je pense que je vais commencer par celui à 2 euros et finir par celui à 5 euros. Donc là, il doit tout simplement retrouver un de ces chiffres. Le 40, non. Le 28, non. Le 19, non. Le 34, non, c'est le 33. Juste à côté. Le 9, non. Le 4, non. Dommage parce qu'il y avait le 3 et 1000 euros. Dommage. Le 20, non. Le 26, non. Le 6, non plus. Le 49 non plus. C'est mal parti, hein. Le 5. Oh, c'est la gruge, j'en ai 4, 5, 2, 3. Le 24, non. Le 29, mon jour de naissance, ouais, ça marche pas. Le 43, non. Là, il y avait 44, putain, il y avait 500 000 là. Le 32, non, à côté, 33. C'est 33, 500 euros. Le 7, non. Le 46, non. Le 1, c'est le 2. Il y avait 25 euros, bien sûr. C'est fait espérer. 50. Le 50, non. Et le 8, non plus. Donc voilà, premier jeu perdant. Bah, t'as pas à t'excuser, hein. Juste à côté, il a failli regagner 500 000. Hein. Allez, là, on va espérer que tu retrouves au moins un des dessins. Est-ce que je case le 1, le 2, le 3? Non, Non. Bah, je pense pas. Après, tu fais comme tu veux, hein, mais tu vas t'embêter à chercher les numéros, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est parti. Une boule de neige. Une couronne. Un calendrier. Un ange. Une coupe de champagne. Boule de neige. Ah, les boules de neige de... Non, non. Non. Ah d'accord, oui, il faut trouver les signes là. Hein. Oui. D'accord. Bon, d'accord. On gratte tellement souvent qu'on ne... Voilà, la maison, le calendrier, la reine. On ne connaît pas en fait, tout simplement.
La haute, les plumes, non, j'ai pas. La maison, non. L'instant, Marion. La cloche, ouais, elle a pas la mâchoire de calendrier, non. L'ange, non. La cloche, non. La poule, oh, j'ai les trois. C'est dommage. La couronne, non. La haute, non. Tu l'as déjà eu à l'époque. La bûche, non. Bah, c'est les coups, tout ça. La couronne, non. Ah, le 24, il y a deux dessins. Il y a la coupe et puis. Un ange. Un ange. La cloche. Bonbon. Bonbon, 6 euros. Ah, 6 euros quand même. 6 euros pour le bonbon. Pour un jeu à 3 euros, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bonbon, bah, 6 voilà. euros. Le début de la richesse. Ouais, si tu le dis. Allez, passe au solitaire. Le solitaire. Donc il a 3 petits diamants ici. Il faut que les numéros du diamant ressortent là. C'est ça? Ouais, c'est vraiment. Et là. Ici, il y a un jeu avec un gain direct. Je sais pas comment ça marche. Si le diamant A. D'accord, faut que le A soit plus élevé que le B. C'est ça. 6, 13, 20. 19, comme par hasard, à côté. 27. 27. Le 14, comme par hasard, c'est 13, c'est juste à côté. Il y avait 100 euros. Ouais. 27, 23, non. 23, non. Le 8, non. Le 22, non. Le 34, non. 31, non. Si on pouvait inverser le 1 et le 3, le 13. Non. Le 5 à côté, il y avait 6. Même pas pour le 2 4, euros. Non. Non. Le 9, d'accord. Non. Allez, vas-y, il faut que ton diamant A soit plus élevé que le B, c'est ça? C'est ça. Vas-y. Le 11 et l'autre. 11 carats et 16. C'était quoi le gain? Là, il y avait quand même 2 euros. Donc voilà, sur les 3 jeux, il n'y en avait qu'un de gagnant et c'est celui-ci. Rien que les 3 jeux, déjà il y en a pour 10 euros et tu n'as gagné que 6 euros en espérant que j'ai un petit peu plus de chance. Allez, à mon tour. Donc c'est à mon tour, je vais commencer par le solitaire. Donc moi je vais faire tout dans l'ordre inverse de Jean-François. Donc il faut qu'il y ait le 35, le 20 ou le 27, ou les 3. Ah bah, le 27, ça commence bien. J'ai déjà le premier numéro, je m'y attendais pas. Le 6, je ne l'ai pas. Le 28, non plus. Le 10, non plus. Le 5, non plus. Le 30, non plus. 26, non. 32, non. Le 1, non plus. 17, non plus. Le 20 est sorti, donc j'en ai 2. Et le 11, je ne l'ai pas. Donc il y a 2 sous le 20 et sûrement 2 sous le 27. Oui, donc on a déjà 4 euros. Et ici, il faut que ce soit plus élevé. 12, c'est 13 à côté, donc c'est perdu. Donc écoutez, 4 euros pour le premier jeu. C'est toujours ça de prix, mais j'ai toujours pas dépassé Jean-François. Alors autant vous dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo. Et à chaque fois, c'est Jean-François qui gagne. J'espère qu'aujourd'hui, ça va changer. Allez, c'est parti pour le jeu 24 jours en or, le jeu de Noël. Alors, un renne, non. Sucre d'orge, non plus. La haute, non plus. Toujours le renne, toujours pas bon. Toujours le sucre d'orge. La bûche, non plus. Une bougie, une couronne. La bougie, je sais pas, non. Encore une bougie, c'est perdant. Le renne, c'est toujours perdant. Encore une bougie. Alors là, je sais pas pourquoi, mais moi, ça sort en deux ou trois fois à chaque fois, suite à suite. Alors, une petite maison, non plus. Un calendrier, non plus. Le sucre d'orge qui ressort. La bûche qui ressort. Du champagne. Oh, ça aurait pu être gagnant, ça. La maison. La hotte. Alors, il ne nous reste plus qu'une ligne. Et on a encore le champagne qui est perdant. Un ange, c'est perdant. Un bas, c'est perdant. Le champagne et la haute, c'est perdant. Donc celui-ci est perdant pour moi, c'est celui que Jean-François avait gagné tout à l'heure. Donc moi, je suis mal partie par rapport à toi.
Allez, il me reste le dernier jeu, le jeu à 5 euros. Donc il faut tout simplement retrouver les numéros qui sont gagnants ici, ici, tout simplement. On a le 8, le 11, le 37, le 45, le 27 et le 19. Le 16, 38, 46, 6, 24, c'est pas bon. 39, on avait le 37, le 20, le 30, le 13, le 14, c'est pas bon. Le 44, le 34, le 5, le 21, le 26, c'est pas bon, on avait le 27. 42, 31, 29, le 2 et le 28, c'est perdant. Donc écoutez, c'est encore Jean-François qui a gagné à ce genre de challenge, comme d'habitude. Mais bon, la pochette est perdante parce qu'il y a quand même la moitié de ce qui a été dépensé, de perdu. Après, on ne s'attendait pas à mieux non plus, comme à chaque fois. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis. Bisous les amis. Et merci Marion. Et merci Marion.